Coucou tout le monde, bienvenue dans ce Vlogmas numéro 1. Alors, je suis super contente de commencer les Vlogmas, pardon. Donc, je voulais... Alors, je vais tout vous expliquer parce qu'en fait, on est mardi 6 décembre. Je voulais vlogger donc à partir du 1er décembre, mais j'ai eu Chloé qui a été malade. Ensuite, j'ai eu Yuna qui... je croyais qu'elle avait... Donc, Yuna, c'est ma grande. Je croyais qu'elle avait attrapé la gale parce qu'en fait, il y a des cas de gale à l'école. Et non. Donc, on a vu le médecin et tout ça. C'est pas ça. En fait, elle me fait de l'eczéma. Donc, voilà. Parce qu'en fait, le médecin me disait que les boutons de gale, c'était entre les doigts, les mains... Enfin, ça commençait comme ça, les pieds. Et moi, ma fille, elle avait des boutons sur le ventre. Mais quand j'avais écrit symptômes gale, ben, je pensais que c'était ça. Donc, heureusement qu'elle ne l'a pas. Ça me rassure parce que j'avais pas forcément envie de passer le mois de décembre avec ça. Donc, ça me rassure. Parce qu'il y a eu des cas de gale. Mais là, bon, je n'entends plus trop parler. Mais bon, je me suis dit, ça se peut qu'elle l'ait attrapée. Et j'avais trop peur de ça. Donc, non, pas du tout. Heureusement. Donc là, j'ai déposé mes enfants à l'école. Donc, il doit être 9h quelque chose. 9h16, donc ça va, c'est pas très très tard. Je vais donc continuer à envelopper les cadeaux parce que j'ai commencé hier, donc là je vais continuer à le faire. J'avais acheté en fait des papiers cadeaux à Action, sauf que c'est des tout petits rouleaux, donc je commence à en avoir marre en fait d'ailleurs de faire que ça d'en acheter. Alors du coup, j'en ai acheté à Lidl, j'en ai acheté un gros là à 99 centimes, donc c'est un rouge. C'est juste qu'en fait, chaque année, enfin depuis que je suis chez moi, j'aime bien en fait quand je fais Noël à la maison avec du monde, etc. J'aime bien, ou même quand j'ai pas de monde, mais bon, généralement j'ai toujours du monde à la maison, sauf le 24, on est invité. Mais j'aime bien en fait avoir à peu près le même papier, le même coloris de papier parce que je trouve ça joli en fait autour du sapin, même si c'est bête pour certains, mais enfin moi j'aime bien. Sauf que je fais que ça d'en acheter vu que c'est des petits rouleaux à Action. Je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre un grand parce que j'ai des grands cadeaux enveloppés, donc c'est pas très très grave. C'est Noël et puis c'est tout. J'ai l'impression d'être à moitié rousse avec la lumière là. Parce qu'en fait j'ai allumé parce qu'on voit rien, il fait sombre dehors, c'est l'hiver. Et voilà. Donc j'ai allumé parce que là je vais envelopper les cadeaux, mais sinon généralement j'éteins, je reste dans le noir façon de parler. Donc voilà. Je voulais me maquiller ce matin, mais je suis un petit peu malade façon de parler parce que j'ai juste un peu mal à la gorge. Et j'ai mon œil là qui était collé ce matin. D'ailleurs, ça fait mal hein, les conjonctivites chez les adultes, je trouve. Donc, il était collé. J'ai des sacrés cernes parce que en ce moment, je dors très très mal. J'ai Chloé, ma toute petite, qui a été malade. Après, j'ai enchaîné avec Yuna qui n'était pas malade. Mais ça, en fait, ces boutons, si vous voulez, ça la gratte et ça la pique. Donc, c'est de l'eczéma. Donc, du coup, j'ai de la crème à aller chercher en pharmacie aujourd'hui parce que je suis allée au médecin hier soir. Sauf que quand je suis rentrée, les pharmacies étaient fermées. Donc, je vais chercher ça aujourd'hui. J'ai un colis Kiabi à récupérer au point relais parce qu'en fait, j'ai commandé des pyjamas Noël. Donc, pour moi et mes deux filles, on aura le même pyjama. Donc, je vous montrerai ça aussi. Je ferai des photos de Noël et tout. Ça va être trop cool. Et j'ai ça à faire et je dois aller en pharmacie parce que, faut que du coup, je récupère donc la crème de Yuna et peut-être une crème si... Ah, je sais plus, mais c'est une petite crème cicatrisante en fait, parce que ma petite, elle a eu un furoncle en fait, au niveau de là. Et maintenant, elle a une petite cicatrice, donc apparemment, l'école me disait ce matin que la crème qu'il me disait, mais je sais plus trop le nom, ça cicatrise, donc je vais aller m'enseigner pour ça. Et voilà, donc là, je vais continuer à envelopper ça. Et puis, si j'ai le temps, je vais aller aussi au marché aux affaires, parce que je vais faire un petit point là après. Pour voir ce qui me manque pour la table de Noël, puisque j'aime bien faire une jolie table à Noël, sachant qu'il y aura une table où il y aura les enfants et une table où il y aura les adultes. Donc je pense décorer la table où il y a les adultes et la table des enfants. Je vais voir si je fais autre chose quand même, parce que bon, bah ça reste des enfants, forcément ils vont vouloir toucher à tout, donc j'ai pas forcément envie de mettre de trop jolie déco, surtout avec l'excitation de Noël et tout. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Et puis voilà, écoutez, de toute façon je reprends dans la journée, je vais vlogger à la maison et puis bah, dès que je sors aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc là je vais vous montrer un petit peu parce qu'en fait j'ai vu que j'ai pas fini de tout envelopper, je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que j'ai pris à Action hier. Parce que j'ai pris quelques trucs, j'ai mis une lunette parce que je vois rien sans lunettes, désolée.
Bon, après, comme je vous ai dit, moi, quand je filme sur YouTube ou que je fasse des stories, je reste moi-même. J'ai pas envie de mettre forcément de filtre. Là, par exemple, j'aurais peut-être besoin de mettre un filtre parce que je suis pas maquillée, j'ai des cernes, etc. Mais enfin, voilà, j'ai envie d'être moi, d'être naturelle. Et puis, je vous avoue qu'en vrai, le maquillage, j'aime bien. Hein, mais je me maquille quand même moins qu'avant, j'ai moins le temps. Voilà, donc bref, je vous montre. Alors, j'ai pris donc ça. En fait, j'en ai pris deux. Deux sortes. Elle est où l'autre? Je sais plus. Allez là. Donc, en fait, j'en ai pris deux sortes. C'était à 6 euros quelque chose. Et en fait, c'est des petits coffrets. Je sais pas si vous allez voir. Mais donc, vous avez la petite poupée avec le petit lit, je crois. Ouais, le petit lit, la petite coiffeuse. Et je trouvais ça vraiment trop mignon. En plus, c'est pas cher. Donc, vous avez plusieurs sortes. Là, moi, donc, j'ai pris celui-là avec le lit. Il y a un petit chien, un petit ordinateur, une petite coiffeuse. Franchement, c'est vraiment, vraiment trop mignon. Et j'ai pris celui-là. Pardon, j'ai du mal à parler, j'ai mal à la gorge. Donc j'ai pris celui-ci, c'est dans le salon. Vous avez l'arbre à chat, le chat et tout. Et donc ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en envelopper un donc pour Chloé. Donc je vais prendre celui-ci parce qu'elle adore les animaux et tout pour Chloé. Et je pense prendre celui-ci pour Yuna. Donc Yuna, c'est ma grande, je vais l'envelopper aussi. En fait, mes filles, donc j'ai Chloé qui va avoir 3 ans le 19 décembre et Yuna qui a 6 ans. Je redis au cas où qu'il y a des nouvelles personnes par ici. Et elles jouent à la même chose. Donc c'est-à-dire en fait qu'elles jouent au Barbie, au Playmobil. Donc poupées, poupons. Et elles sont beaucoup dans ces jeux-là en fait. Ça fait un moment qu'elles y sont et à chaque fois qu'elles jouent, elles jouent à ça ou à la maîtresse. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre des choses avec lesquelles elles vont jouer aussi toutes les deux et au moins ça leur fera plaisir. Donc je vais peut-être y retourner parce qu'en fait ils font d'autres idées. Vous avez aussi, je crois que c'est la salle de bain, enfin je sais plus, mais il y a d'autres idées. Donc moi je pense que je vais y retourner pour bah, justement prendre les autres idées, comme ça elles ont un peu plus de cadeaux. En fait ce que j'aime bien quand j'ai pas trop d'idées de cadeaux qui coûtent cher, j'aime bien leur prendre plein de petits trucs et comme ça leur permet d'avoir plusieurs cadeaux. J'ai pris ça pour Chloé parce qu'en fait elle est fan de Pat' Patrouille et j'avais déjà remarqué ça, hein. C'est pas maintenant qu'ils le font, mais en fait voilà, c'est des petites marionnettes Pat' Patrouille, donc vous mettez sur les doigts, donc ça se peut que Chloé le fait parce que Chloé elle va avoir 3 ans, donc c'est à partir de 3 ans. Et j'ai pris aussi sur Peppa Pig, sauf que Peppa Pig je l'ai déjà enveloppé, donc je peux pas vous le montrer, mais c'est vraiment trop mignon, en plus c'était 2,99 le petit lot. Donc c'est pas cher et puis en plus vous pouvez aussi prendre des petits personnages et faire comme ça enfin, sur la table pour, voilà, pour jouer. Donc pas forcément obligé de les mettre sur les doigts. Puis je me suis dit, elle adore Pat' Patrouille, ça lui fera plaisir et puis ça fait un petit cadeau en plus. Et vu qu'elle aime beaucoup Peppa Pig, pardon, j'ai trouvé ça, Action, c'est nouveau, c'est une petite manette Peppa Pig. Donc ça fait de la lumière et de la musique. Donc je peux pas le tester parce qu'il faut des piles et j'ai pas envie de le déballer du carton. Donc c'est pas grave, je vais l'envelopper mais de toute façon... À Noël, je ferai un vlog, donc vous verrez. Hein, mais c'est sûr, vous n'allez peut-être pas l'acheter à Noël, mais c'est vraiment trop mignon. Donc j'ai pris ça, et ça c'était 7 euros quelque chose, je crois. Il me semble. Et qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je vais vous montrer aussi, parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas enveloppé. J'avais acheté ça, je crois, au mois d'octobre pour Chloé. En fait, elle adore les animaux. Donc c'est une petite ferme en bois avec des animaux. Je trouvais ça trop mignon, mais c'était pas cher. 3,99 € je crois. Enfin, c'était moins de 5 euros. Donc du coup, je l'ai pris pour Chloé, parce que bah, comme je vous ai dit, elle adore les animaux. Donc voilà, ça lui fera plaisir aussi. Et voilà, c'est tout. Parce qu'après, c'est... Là, en fait, je vous ai posé sur la grande ferme que j'ai achetée à mon neveu. Donc là-dedans, c'est un truc Vinted que j'ai acheté. C'est un ordinateur, en fait, Vinted que j'ai pris pour le fils de ma cousine. Donc j'ai enveloppé deux gros là. Celui-là qui est très très grand. J'en ai aussi enveloppé dans le sac. Faites pas attention, il y a un peu de bordel, etc. Les chutes de papier cadeau, je vais me faire un petit café là parce que j'en ai besoin vraiment. Me faire un petit café et un petit gâteau, je pense, parce que j'ai un petit creux. Et voilà.
faites pas attention, mon œil, mais vraiment, il est tout petit à cause de la conjonctivite. Je pense que je vais faire une bonne conjonctivite. Parce qu'en fait, il veut se fermer et du coup, ça me donne envie de dormir. Je suis fatiguée à cause de ça. Ça tire dessus en plus, donc c'est un peu embêtant. Donc voilà. Là, je vais aller ramasser aussi les cadeaux que j'ai déjà enveloppés parce que j'en ai pas mal dans le sac aussi. J'en ai là. Et en fait, dans le garage, je mets ça dans un grand carton. Sauf que le grand carton est déjà bien rempli. Donc ça va déborder, mais je vais cacher ça avec une vieille serviette, une grande, grande serviette ou une couverture, enfin quelque chose pour pas que les enfants vous voient. Après, ils vont jamais dans le garage, hein, mais ça, surtout avec ce temps-là, mais j'ai pas envie qu'ils tombent dessus. Donc faites attention de ne pas regarder ce vlog avec des enfants, parce que c'est beaucoup sur le thème de Noël, du coup. Ou sinon, vous passez vraiment voilà, les petites étapes. Bon, j'ai trop honte les filles, c'est vraiment le bordel à la maison, j'ai mis des papiers, des cadeaux partout, j'ai pas terminé, je viens juste de finir mon café et là je vais attaquer. J'ai allumé le sapin parce que j'ai envie de me mettre dans l'ambiance de Noël. Je vais mettre de la musique et je vais attaquer le ménage parce que là il y a vraiment vraiment besoin. Je vais juste vous montrer deux trois petites choses et après j'attaque. Alors, je fais un petit point donc pour Noël. Donc, j'avais ce truc-là que j'avais déjà acheté l'année dernière. Donc, ça, je le mettrai au centre de la table. Je vous ai déjà montré hein, les trucs à Noël, n'importe quoi, dans mon dernier vlog, je crois. Mais en fait, là, je fais un petit point pour savoir ce que je dois acheter aujourd'hui, ma chose à faire, parce qu'il me reste. Deux, trois trucs, voilà. Pour les serviettes, en fait, je voulais trouver des belles serviettes, sauf que à Action, déjà, ça a été un peu dévalisé, je vous avoue. Marche aux affaires, je suis pas allée voir, mais j'ai pas envie de courir après, sauf que ça reste des serviettes. Donc, je me suis dit, je vais partir sur quelque chose de simple, sachant que je vais décorer ma table. Donc, j'ai pris des serviettes beige comme ça. Donc, ça, j'ai pris à Action à 99 centimes. Je les ai prises hier, donc peut-être qu'il en reste. Donc, pour la serre de clé, ça, on n'en parle pas. J'ai acheté ça aussi hier, mais c'est pour mettre sur les petits sachets de Noël. Parce que je vais faire des chocolats de Noël, comme je vous ai dit. Et du coup, je vais mettre des petits rubans. Ça, je mettrai donc sur la table de Noël. Les petits sapins aussi. On a ce centre de table. Donc, il faut que j'achète une nappe, je pense. Quelques petites décos. Les ballons et les serviettes, c'est pour les inserts de Chloé, ne faites pas attention. Et j'ai pris aussi ces bougies pour mettre là-dessus. Donc, ouais, je sais pas en fait si ça va faire bien. Sachant que ça fait un peu doré sur doré. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Mais bon, ça m'embête un petit peu, je vous avoue, d'en acheter d'autres. Je sais pas. Je vais voir. Après, c'est pas ça qui est cher personnellement. Mais de toute façon, celle-ci, je les mettrai quand même. Donc, ouais, je sais pas comment faire. Alors, le après est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Donc, j'ai tout nettoyé, tout débarrassé, en fait, ce qu'il y avait vraiment besoin. Donc, je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai aussi fait la cuisine. Donc, j'ai juste le côté où je suis, moi, où il y a la télé et le canapé à faire. Et on sera plutôt bon. Et je pense après aussi faire la chambre des filles cet après-midi, si j'ai un moment. Je clôture ce vlog ici et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!